pour pouvoir affronter un trail, la notion d'hydratation est extrêmement importante. Partir sans eau, qu'elle soit de Volvic ou d'ailleurs, c'est extrêmement important. Et pour des trails supérieurs à 2 heures, l'eau ne suffit pas. Il faut apporter une solution nutritionnelle et énergétique avec pour justement limiter les crampes, favoriser le fonctionnement de l'organisme, apporter une énergie à l'organisme qui permet justement d'avoir des apports équilibrés et réguliers pendant l'effort. Donc, la notion d'hydratation est extrêmement importante. La notion de préparation, justement, que ce soit sur un petit déjeuner ou un repas, de manière équilibrée pour justement préparer les réserves nutritionnelles et l'apport énergétique, c'est extrêmement important sur des trails, même de courte distance. Et puis, la notion de récupération est aussi importante quand on enchaîne les courses ou même pour ne serait-ce que le bien-être, ne pas avoir de douleur et pouvoir aller au travail avec la fierté d'avoir été finisher d'une superbe course sans avoir d'énormes douleurs musculaires et de pouvoir marcher correctement, c'est important. Et la préparation pendant l'effort et la récupération sont des moments extrêmement importants. Oxytis propose, comme d'autres marques proposent aussi, des produits adaptés qui vont de la boisson à la collation en passant par des pâtes de fruits, des barres énergétiques. Le tout, si je peux me permettre un conseil, c'est de ne pas associer bar, boisson, gel tout en même temps. Voilà. Si vous avez une bonne boisson équilibrée, couplée à de temps en temps une barre énergétique ou une pâte de fruits, vous avez de quoi avoir un apport qui vous permet d'éviter d'avoir le coup de barre, d'avoir des crampes et justement de pouvoir aller jusqu'au bout de votre effort et vous faire plaisir. Le tout, c'est surtout de ne pas surconsommer, de ne pas prendre plusieurs gels à la fois, la boisson qui va faire en fait l'effet bien effort. Bien souvent, on traverse l'idée de créer une société sur le marché de l'hydratation des sportifs. Déjà, je suis passionné de sport. On a une région qui a des atouts en matière de pratiques sportives et un terrain de jeu qui est fabuleux, avec une région où la valeur de l'hydratation est extrêmement importante, parce que je crois qu'on a la région où il y a le plus de sources en Europe, carrément. Et du coup, le fait de développer une entreprise qui propose des activités, des produits pour les sports de nature et développer des solutions nutritionnelles et d'hydratation pour les sportifs avait tout son sens dans cette région. Aujourd'hui, l'entreprise s'appuie sur un savoir-faire territorial et qui réunit à la fois la recherche et puis le savoir-faire en matière de nutrition. Et on fabrique de la bagagerie technique. Alors, bagagerie technique, c'est tout ce qui est sac, ceinture, tout ce qui est matériel permettant de transporter des choses en course à pied pour le trail running, le VTT, toutes les activités de pleine nature. Et en parallèle, on a un laboratoire de nutrition sportive où on fabrique des solutions de préparation, des solutions énergétiques pendant l'effort qui vont de la pâte de fruits à la boisson énergétique jusqu'aux produits de récupération, entre autres boissons de récupération qui sont toute une gamme de produits destinés à la fois pour le trail running, les sports de pleine nature, le ski de fond, voire les sports collectifs où la marque est de plus en plus importante.